Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Oui, c'est le premier 101% de la saison 12 de No Life. Je suis très heureux d'être là, comme vous pouvez voir, je suis à la présentation. Ça me fait très plaisir de revenir à la présentation de 101% après 2 mois d'absence. Donc c'est un 101% reboot, comme vous avez pu le voir. Oui, reboot, enfin nouvelle formule quoi. Enfin en télé on dit nouvelle formule, mais nous on est sur No Life, donc vu que c'est une chaîne de jeux vidéo, on trouve ça plus classe de dire reboot, et puis nouvelle formule c'est un peu naze. Donc c'est le 101% reboot, ou le 101% V2, ou le 101%, je sais pas, le new 101% Bros par exemple. Donc voilà, on est dans 101%, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans 101% vu que c'est un reboot? Eh bien déjà, vous avez pu voir, il y a un nouveau générique. Merci Olivier. Ensuite, un nouveau décor de fond. Merci Olivier. Nouvelle musique. Enfin, peut-être pas encore une nouvelle musique, mais bientôt il y aura une nouvelle musique parce que bon, bah forcément, c'est la rentrée avec No Life. Vous savez, des fois, on est un peu à la bourre. Bah, à la saison 12 de No Life, on est encore à la bourre. Voilà. Normalement, ça devrait être la saison 13. Bon, d'accord, c'est une blague, mais on l'oublie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en plus de tout ça? Eh bien, il y a des nouvelles rubriques. Et le truc trop cool, c'est que l'animateur est le chef incontesté du 101%. C'est-à-dire que l'animateur décide quand passe telle ou telle rubrique dans l'émission. Je vous explique. Par exemple, normalement, là, je vais faire le sommaire et je vous dis, à la fin du sommaire, je vous dis, et on commence avec les news. Eh ben, pas aujourd'hui, parce que j'en ai décidé autrement. Alors voici le sommaire du premier 101% de la saison 12 de No Life, vu par Davy Maurier. Alors, on commence avec la critique, et voilà, et par contre on a le droit de bafouiller dans le nouveau 101%. On commence avec la critique Spelunky, voilà, on commence par une critique. Ensuite, les news, c'est la folie. Ensuite, des bug mode, et on terminera l'émission avec une nouvelle rubrique Very Hard. Je vous expliquerai ce que c'est juste après Tokyo Café. Oui, on commence le premier 101% de la saison 12 par Tokyo Café, alors que normalement Tokyo Café c'est le mercredi, c'est de la folie totale. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 私、ルパンと一緒にいます! さあ、私は一体どこにいるでしょうか? 答えは2秒後。実はですね、私、シューティング&ゲームショーというイベントに来ています。もう見てください、シューティングというかこう、もう戦争ものですね。これミリタリーに関係しているものの、なんとイベントが行われているんです。やっぱね、ミリタリーといえば銃ですよ。衣装も売ってますね。この服を買うことができますね。私はですね、やっぱ従業員もこういうファッション的なものの方が気になります。ちょっと、スズースタイルではないですよ。でもね、サックとかは可愛いかもしれない。こうね、レーションとか出て。私は一体ここで何をしているのか。なんかね、可愛い銃発見。ピンク色の。あれ、これは可愛いぞ。これ、これ良くないですか？これでもさ、こんなのさ、戦場で持ってたらめちゃめちゃさ、ピンクで目立っちゃってすぐ撃たれてやられちゃいますね。ブブベプレゾンテボトマガザン。Alors voilà, donc le magasin c'est Cybergun Boutique. Donc exclusivement de la vente sur internet. Nous vendons physiquement des répliques que sur les salons. Vous voyez, on a des modèles un peu exotiques, notamment le M4 Femme Fatale. Voilà, spécialement destiné aux femmes ou aux hommes aussi qui ont le sens de l'humour. Sinon après vous voyez, on a des répliques un petit peu variées, notamment la gamme des PM5 ici. On a des versions métal, des versions plastiques. Après une nouvelle réplique de chez FN aussi, donc comme le scarf que vous voyez ici. Military cosplay してる人にもインタビューしてみたいと思います。Vous n'avez pas chaud? Si, beaucoup. Très très chaud et mais bon, c'est sympa, on montre un peu nos tenues, on parle avec des joueurs, vous voyez, c'est sympa. Metal Gear Solid 遊んでるんですか? Tu joues le Metal Gear Solid? Ah non. Non. Ah, c'est bon, c'est bon. これ飲み物かなと思ったら玉ですね。これ玉ですね。さあ、ところでですね、なんで私がこんなシューティングの場所にいるのかと言いますと、答えは2秒後。なんと今年のシューティングゲームショー、日本からアイドルの方がやってきてます。ミサミサさんです。こんにちは。ミサミサさん、自己紹介お願いします。ミリタリーアイドルのショーのミサ
さん、みさみさです。よろしくお願いします。あのミリタリーアイドルって何ですか？ミリタリーの中のアイドル、サバゲをやったりシューティングをやったりをいろいろやったりするアイドルです。なるほど。ちょっと構えてみていただけますか？はい。可愛らしいですね。一体今回この会場には何をしにいらっしゃったんでしょうか？この会場ではですね、もう本当にいろんなことを全部の種目をやってですね、この会場を盛り上げるという、まあ、イメージガールとして今回来ました。はい。神沙さんの得意なものって何ですか？一番得意なのはやっぱサバゲです。サバゲ、はい。サロンのですね、企画者の方にインタビューしたいと思います。 Bonjour Thierry。 Bonjour。 Pouvez vous présenter s'il vous plaît？ Je suis Thierry Nakache, l'organisateur et le créateur du salon. Le salon existe depuis 7 ans. Et nous accueillons beaucoup d'amis japonais sur ce salon. C'est quoi le... Vous pouvez présenter le plus de ce salon? C'est l'Airsoft, qui est grandi, qui est né, qui a grandi au Japon, et qui est venu en Europe il y a une quinzaine d'années, et qui fait un vrai carton en Europe. 普段じゃあなんか週末とかにはそういうサバイバルゲームをしたりするんですか？そうですね、あのチームがありまして、ウピーピタイっていう女の子だけのチームがありまして、まあ、大体1週間に1回ぐらいはサバゲ行ってます。サバゲでもこういう格好なさってやるんですか？今日はちょっと露出が高いんですけども、普段はもっとちゃんともっと着込んでサバゲをしています。はい。サバイバルゲームミリタリーの魅力とは何でしょう？やっぱりですね、あの楽しんで、もうみんなで楽しんで、あのもう打っても打たれても楽しいっていうのが魅力だと思います。はい、ありがとうございます。ミリタリーファンのみんな、みさみささんのことも応援しようね。ふむれっこふむれ。Premier 101% de la saison 12 est déjà une connerie dite par l'animateur. Voilà, donc vous avez remarqué que dans le sommaire, j'ai dit on commence avec la critique de jeu, et puis en fait, à la fin, je dis on commence avec Tokyo Café. Bah ouais, moi aussi, il faut que je prenne mes marques. Hein. Voilà, donc vous avez pu voir Tokyo Café. Donc maintenant, vous le savez, Tokyo Café, c'est lundi. Alors, il y a une nouvelle par rapport à Tokyo Café. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour vous, mais c'est peut-être... Enfin, si, quand même. Enfin, Tokyo Café, maintenant, c'est tous les 15 jours. Voilà, ce n'est plus toutes les semaines, et c'est en alternance avec Toco Toco. Voilà. Puisque Pico Pico est en pause, eh bien en fait, Pico Pico et Toco Toco alternaient, et bien maintenant c'est Tokyo Café et Toco Toco qui alternent. Voilà. Et donc le mercredi, bien sûr, vous allez avoir de nouvelles choses. Et on commence. Voilà. Non, on commence pas du tout. Voilà. Eh ben, moi aussi, je merde. Voilà. Maintenant, c'est la critique du jeu Spelunky. Voilà. C'est un jeu en 2D. Et j'ai grave envie d'y jouer. Moss Mouse est à la fois le pseudo d'un game designer, Derek Yu, mais aussi le nom de son studio de développement. Personnalité reconnue de la scène indé, Derek s'explique sur ce choix de ce nom en ces termes. Pourquoi Moss Mouse? Parce que ça sonne bizarre et que j'aime bien ce qui est bizarre. Et puis aussi parce que pour moi, Moss, la mousse, représente la croissance, la texture et ces petits détails dont j'aime truffer mes créations. Surtout connu pour son travail sur de petits jeux indés comme Eternal Daughter en 2002, qui rendait hommage à Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night, le magnifique Aquaria, réalisé en collaboration avec Alec Holoka et détenteur du prix de l'Independent Games Festival 2007, et bien sûr Spelunky, sorti sur PC en 2009 sous la forme d'un freeware. Derek Yu a fêté ses 30 ans cet été. Et quoi de mieux pour marquer cet événement qu'un petit reboot de Spelunky sur XBLA? La plateforme de téléchargement de Microsoft est en effet un bouillon de culture, ayant vu le développement et la croissance d'un nombre impressionnant d'excellents jeux de plateforme puzzle, comme Super Meat Boy, Jump de la série Xena Arcado, Limbo, Phase ou encore Braid. C'est d'ailleurs Jonathan Blow qui a suggéré à Derek de sortir Spelunky sur XBLA, allant même jusqu'à le mettre en contact avec le producteur de Microsoft qui avait travaillé avec lui lors de la sortie de Braid. Comme Super Meat Boy, Spelunky n'est ni un remake, ni une conversion HD de la version PC, mais plutôt un reboot ou une semi-suite. Non seulement le jeu a bénéficié d'une refonte graphique totale, passant du style pixel art à des graphismes HD plus cartoon, mais en plus, il a été enrichi d'une tonne de nouveautés. La plus importante étant sans conteste l'ajout d'un mode multijoueur coopératif permettant à 4 joueurs de s'entraider en local. Le travail effectué sur ce reboot XBLA a valu au jeu d'obtenir le prix Excellence en design lors de l'IGF 2012, qui avait vu Faze obtenir le grand prix. À
première vue, comme ça, du coin de l'œil, Spelunky ressemble à un jeu de plateforme tout ce qu'il y a de plus classique. Un hommage de plus au savoir-faire Nintendo et au vieux Mario 2D. Spelunky fait bien entendu référence à cette culture et en particulier au jeu de plateforme exploration Spelunker, sorti en 83 sur ordinateur et console 8 bits. Mais là où le jeu de Mosmos se distingue d'emblée, c'est par son rattachement à un autre genre, le roguelike. Derek Yu est fan de ce type de production depuis qu'il a mis la main sur une disquette MS-DOS de Hack, un titre datant de 82, inspiré du fameux Rogue, sorti au tout début des années 80, qui a donné son nom au genre. Un sous-genre du RPG qui se définit avant tout par le fait que les niveaux explorés sont générés aléatoirement. Spelunky est donc un jeu de plateforme où chaque nouvelle partie entraîne un reset aléatoire de la configuration des niveaux et de la disposition des pièges. Autant vous dire que ce choix change pas mal de choses. Ce qui a d'ailleurs valu au jeu d'être encensé par de nombreux game designers, qui se sont exprimés sur l'excellent site indiegames.com pour faire part de leur enthousiasme. On va d'ailleurs se permettre maintenant de reprendre l'un de ses commentaires donné par le game designer indé Colin Northway, auteur de l'excellent puzzle physique Fantastic Contraption et prochainement de Incredipede. Tous les jeux vidéo sont des puzzle games, la différence se situant dans le fait que certains se résolvent plus vite que d'autres. La façon la moins intéressante de résoudre un puzzle est de simplement mémoriser une solution. Et lorsque l'on pense à Mario, Mega Man ou d'autres jeux de plateforme, c'est exactement ce que vous faites. Vous rejouez un même niveau suffisamment de fois pour le découvrir et le mémoriser afin de régurgiter une solution. Spelunky annihile cette stratégie. Avec Spelunky, vous êtes forcé de réfléchir à votre prochain mouvement à chaque instant. Parce que vous ne pouvez mémoriser un chemin, vous êtes constamment obligé d'improviser. Ce style de gameplay freestyle est plus marrant à maîtriser qu'une simple mémorisation. Une analyse intéressante, vous en conviendrez sans doute. Alors évidemment, on peut trouver le concept de la solution unique un rien restrictif pour définir le jeu de plateforme. La linéarité des niveaux favorise en effet un apprentissage qui permet de transcender la mémorisation de base, pour finalement donner aux joueurs de multiples solutions nées de la pratique et de la maîtrise d'un système de contrôle donné. Pour que cela fonctionne et que le jeu soit réellement intéressant, il faut bien sûr que les contrôles soient précis, pour ne pas dire parfaits, et que la qualité du level design permette une navigation variée, étudiée pour encourager l'apprentissage et récompenser la maîtrise acquise. Ces récompenses peuvent prendre les formes les plus diverses. Un bonus difficile d'accès, un run en time attack, un passage secret, l'obtention d'un high score, ou la simple satisfaction de traverser un niveau avec classe, comme si l'on jouait à la perfection une partition musicale. Du coup, le fait que Spelunky propose des niveaux générés aléatoirement modifie notre approche pour nécessiter un apprentissage différent, basé sur la maîtrise d'un game system complet et pas seulement d'un système de contrôle. Car dans ce jeu, chaque élément du game system affiche une vocation unique, nous tuer. On peut mourir en tombant dans un piège, en ratant un saut, en touchant un ennemi, mais aussi en utilisant une bombe ou tout autre objet que l'on pourra projeter et qui, par le truchement d'un moteur physique réaliste, rebondira sur un élément du décor pour nous toucher mortellement. Spelunky fait partie de ce type de jeu où même après 100 parties, on peut encore être surpris par une mort inédite, souvent fruit d'une réaction en chaîne imprévue. Spelunky est composé de 4 environnements différents, comprenant chacun 4 niveaux. L'objectif du jeu consiste tout simplement à aller le plus loin possible. Car ici, une mort entraîne un retour hardcore à la case départ, soit au niveau 1-1. La notion de checkpoint n'est néanmoins pas totalement absente du jeu, puisqu'il est possible d'ouvrir des raccourcis permettant d'accéder au premier niveau de chaque environnement. Pour ce faire, il conviendra de jouer en solo et uniquement en solo, ce qui est bien dommage, et de finir à plusieurs reprises un environnement donné avec l'argent ou les bonus qui seront demandés par l'homme des cavernes. Mais bien évidemment, en prenant un raccourci, vous devrez débuter un nouvel environnement sans l'équipement et les cœurs que vous auriez pu acquérir en commençant au niveau 1-1. Et il va sans dire que plus vous allez loin, plus le jeu devient difficile. Les raccourcis s'avèrent cependant très utiles pour se familiariser avec les nouveaux pièges, et s'ils ne peuvent être débloqués qu'en solo, ils peuvent en revanche être empruntés en multi. De base, le personnage est équipé d'un fouet, ainsi que d'une petite quantité de bombes et de cordes. Les cordes lui permettent de grimper et de descendre aux endroits choisis, sachant qu'une chute de trop haut vous coûtera un cœur, voire un retour à la case départ, en cas de mauvaise rencontre, de type pique. Les bombes permettent de creuser le niveau pour atteindre des zones fermées, ou tout simplement tenter d'accéder plus vite à la sortie. Des boutiques permettent de dépenser l'or et les gemmes accumulées au cours d'une partie, afin d'acquérir divers items, des armes et d'autres bonus. Il est possible d'essayer de truander le marchand, mais ce dernier passera alors en mode berserk, fusil à pompe, pour vous traquer dans le niveau, sa rage étant si forte qu'il la communiquera même au marchand des niveaux suivants.
Le simple fait de tirer dans la boutique suffit à le mettre en rogne, et si vous décidez de vous emparer d'un crâne d'or pour déclencher l'arrivée d'une énorme pierre qui roule façon Indiana Jones, et que cette dernière ravage la boutique, là aussi, il s'en prendra à vous. Une nouvelle fois, tout est pensé pour vous tuer. Vraiment. Au début d'une partie, vous commencez avec un capital de 4 cœurs, sachant qu'il est possible d'en gagner un dans chaque niveau en mettant la main sur une jolie blonde. Il conviendra déjà de la trouver avant de l'assommer, oui oui, comme un homme de Cro-Magnon, puis de la porter jusqu'à la sortie. Sachez d'ailleurs qu'il n'est possible de transporter qu'une seule chose à la fois. Si vous vous trimballez avec une arme, il vous faudra la déposer pour vous emparer d'une pierre ou de la jolie blonde susmentionnée. Le fait de toucher un ennemi vous enlève un cœur, mais de très nombreux pièges vous tueront d'un coup, d'un seul, sans seconde chance. Le fait même de terminer un niveau est assujetti à un compte à rebours. Si vous traînez trop, un énorme spectre fera son apparition pour vous traquer et vous tuer. Sachez enfin qu'aléatoirement, certains niveaux verront l'apparition de difficultés inédites, comme la présence d'une rue géante, d'un lac souterrain rempli de piranhas, lorsque le niveau lui-même n'est pas entièrement plongé dans l'obscurité, ce qui vous oblige à avancer à tâtons, une torche à la main. Niveau contrôle, on a droit à une physique similaire à celle de Super Meat Boy, c'est-à-dire dénuée de l'inertie propre Super Mario. En revanche, comme dans les plateformers Nintendo, il sera possible de maintenir un bouton appuyé, en l'occurrence la gâchette droite, pour courir. La différence entre la marche et la course étant particulièrement marquée, il faudra apprendre à courir par à-coups pour ne pas aller s'empaler sur le premier piège venu, surtout en multi d'ailleurs, où l'écran est fixé sur le joueur portant le drapeau. Et ici, contrairement à New Super Mario Bros. Wii ou Rayman Origins, un joueur qui sort de l'écran ne revient pas en bulle, mais en fantôme après quelques secondes. En multi d'ailleurs, outre le mode aventure classique, il sera possible de s'affronter jusqu'à 4 ou avec des bots dans le mode combat à mort. Au sein de diverses arènes, pas plus grandes qu'un écran, l'objectif sera d'éliminer tous ses adversaires à coups de bombe, des armes récupérées dans le niveau ou des pièges inhérents à ce dernier. Du pur défouloir façon Bomberman, idéal pour régler les griefs accumulés après plusieurs parties multi en mode aventure. Spelunky est un bijou de game design, un joyau conceptuel apportant un éclairage inédit dans le genre quelque peu surexploité, mais personne ne s'en plaindra, du jeu de plateforme indé old school. Le reboot des niveaux à chaque nouvelle partie et sa difficulté sans pitié auraient pu limiter sa portée à celle d'un exercice de style élitiste, ce qu'il est en partie, mais son incroyable richesse et la qualité de son gameplay en font bien plus que cela. Si vous êtes de ces joueurs qui déplorent le manque de challenge offert par les jeux récents, Spelunky est là pour vous piquer au vif. Avec ses passages secrets, ses personnages à débloquer et ses mille et une façons de mourir, ce jeu de plateforme est un pur plaisir masochiste. En solo ou à plusieurs, il s'apprécie très différemment, ce qui lui offre une solide durée de vie malgré le faible nombre de niveaux proposés. Mais atteindre les 4 derniers est un challenge en soi, surtout pour ceux qui tenteront de débloquer le succès obtenu en solo en finissant le jeu d'une traite sans passer par la case raccourci. Les seuls vrais défauts du jeu concernent la gestion du multijoueur. Pour commencer, on aurait aimé pouvoir jouer en ligne. Mais surtout, surtout, on aurait souhaité pouvoir débloquer personnages et raccourcis en jouant à plusieurs. Le fait que le jeu ne sauvegarde rien en multi limite franchement son intérêt sur le moyen long terme, et c'est bien dommage. Voilà pour les défauts, le reste, ce n'est que du bonheur. Ah, excuse-moi. Oui, Alex ? Oui. Ah oui, mais là, je peux pas revenir. On a oublié un plateau, mais je peux pas revenir. Je suis en dédicace à Rennes, là. Bah, ok, je fais le plateau ici, avec l'aide des gens. D'accord. On est nuls. Donc maintenant, on regarde... Les news ! Steam connaît une rentrée riche en actualité. Depuis fin août, elle a relooké son interface et tout ce qui est dédié à la communauté et fonctionnalités sociales de sa plateforme, comme par exemple le regroupement par hub de tout le contenu autour d'un jeu. Mais la nouveauté qui a connu un décollage immédiat, c'est le service Greenlight, qui permet à tous de proposer un jeu puis de voter pour ceux-ci afin que les plus populaires accèdent à une mise en vente sur la plateforme dématérialisée. C'est l'occasion pour de nombreux jeux indés déjà renommés comme Flyne ou bien d'autres comme le projet Jam Souls du studio Chromatic Studio de se faire une place sur Steam. Aux joueurs de décider quel projet leur semble enthousiasmant. Si le service a connu un succès immédiat, avec plus de 700 soumissions en quelques jours, cela s'est accompagné forcément de quelques indélicatesses.
petits plaisantins qui proposent des projets d'un goût plus ou moins douteux, clones de Sims, projets de Half-Life 3 ou Doom 4, pour dissuader les petits malins qui veulent s'amuser à moindre frais. Et ceux qui prendraient la plateforme pour un espace de jeu à la commande, Valve a décidé rapidement de demander un droit d'entrée de 100$ pour soumettre son jeu à Greenlight. Argent qui sera reversé à l'association caritative Child's Play. L'autre mise à jour déployée rapidement fut d'assurer une visibilité des différents jeux soumis pour que le joueur puisse examiner autant de projets que possible afin de récolter les précieux clics. Si Greenlight ouvre une porte d'entrée vers Steam un peu plus transparente pour les jeux indés, cela ne suffit pas à calmer les inquiétudes de certains. Sous quelles conditions un jeu présenté sera greenlighté? Quel soutien des joueurs sera nécessaire pour valider un projet? Et si malgré tout, imaginons, les futurs Fez ou Limbo étaient ignorés du public et ne récoltaient pas l'approbation générale? À n'en pas douter, Valve va suivre de très près l'évolution de son système, les réactions du public et nous aussi. Le studio français Golgoth vient de livrer son très attendu remake de Toki au vote de la communauté gamer sur Steam Greenlight. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien de Dean Dodrill sur Twitter, appelant les joueurs à voter massivement pour ce jeu d'arcade offrant de magnifiques graphismes 2D. Et l'auteur de Dust, An Elysian Tale sur XBLA, sait de quoi il parle. Toki est un classique du run and gun, sorti en 1989 en arcade par TAD Corporation. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, vous pourrez trouver un super play de Ben Shinobi datant d'octobre 2010 sur No Life Online. Son héros est un malheureux clone de Tarzan, dont la copine est kidnappée par un sorcier et qui, en tentant de la sauver, se verra transformée en un petit singe trapu. L'objectif du jeu sera donc de retrouver le sorcier pour petit 1, lui coller une raclée, petit 2, sauver la princesse Miro, et petit 3, retrouver son corps d'athlète. Pour ce faire, il pourra tirer parti d'un étrange pouvoir qui lui permet de cracher des boules d'énergie. Un pouvoir plutôt bienvenu vu que Toki n'est pas le plus agile des singes, ni le plus costaud, une simple attaque suffisant à le tuer. Le remake de Golgoth se distingue d'abord par ses magnifiques graphismes 2D très cartoon, rendant justice au bonus délirant du petit singe. Franchement, le trailer fait méchamment envie, alors votez pour ce projet sur Steam Greenlight. Tout le monde ne peut pas être Batman ou le Joker. Il ne suffit pas de mettre une cape ou de se teindre les cheveux en vert, même si ça peut être fun, comme l'avait montré Gotham City Imposters, sorti sur bon nombre de plateformes en février 2012. Le FPS de Monolith Productions, qui prend lieu au cœur de Gotham, refait parler de lui car il passe désormais en free-to-play. Tout le monde peut désormais télécharger le jeu via Steam et avoir accès au jeu original ainsi qu'aux différents DLC. Par contre, cela veut dire que de nombreux objets, bonus ou accessoires purement cosmétiques seront disponibles avec des micro-paiements. D'ailleurs, certains avaient remarqué que son modèle économique se rapprochait plus d'un free-to-play classique. Le jeu était proposé jusque-là pour une quinzaine d'euros, malgré un nombre assez limité de cartes. Si le jeu reste payant pour les versions console, ceux qui ne se sont pas encore essayés à faire la justice dans les rues de Gotham n'ont plus d'excuses de ne pas donner sa chance à ce FPS efficace et bien ficelé sur PC. Vous avez pu voir dans la critique qu'il y a encore une nouveauté, c'est l'habillage. Alors, je ne parle pas de mon superbe t-shirt Doctor Who du 10e Docteur, de David Tennant, mais je parle de comment dire, comment on peut dire l'habillage aux gens qui ne savent pas ce qu'est un habillage télé. En gros, quand tu vois des images entre les images du jeu, et que ça écrit par exemple histoire, on appelle ça un habillage, c'est ce qui entoure un petit peu le programme. T'as compris ? T'as compris. Donc, le nouvel habillage est fait par 2080 et il est juste superbe en pixel art. Ce monsieur a beaucoup de talent. Et en musique aussi. Voilà. Et on regarde maintenant des bug mode parce que je veux que ça soit comme ça. Ça fait 5 jours que j'ai pas mangé et tout à l'heure je me suis coupé le bras. Voilà, tout ça pour un programme pour annoncer les nouveautés de la rentrée là, comme tous les ans. Pff, n'importe quoi. Donc chaque année on essaie de trouver une manière originale de présenter les nouveautés de la rentrée. On avait fait déjà les keynotes, on avait fait les légendes urbaines et là l'idée c'était de parodier le film de Danny Boyle, 127 heures. J'ai lu ça et je dis waouh, crazy.
Et donc, évidemment, ayant kiffé le film et tout, évidemment que c'était une super bonne idée. Du coup, je me suis mis à... J'ai commencé à gratter un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre, comment est-ce qu'on va annoncer les nouveautés de la rentrée dans ce cadre-là. Et ça peut sembler tout con, mais il nous fallait un rocher pour coincer Médoc. Sinon, ça aurait fait vraiment cheap, quoi. Sinon, on l'aurait fait sur fond vert et ça aurait pas du tout été pareil. Et Olivier Martin nous a proposé de le faire. Donc Olivier, c'est lui qui fait il a fait beaucoup de décors et d'accessoires pour France 5, mais maintenant pour le Visiteur du Futur. Et il nous a dit, moi, je te fais un rocher, quoi. Donc il est allé sur place, on a pris les mesures. Ensuite, il a fabriqué un rocher en polystyrène et avec super bien fait, avec l'encoche pour le bras, pour que Médoc ait vraiment la place de mettre sa main et qu'on ait l'impression qu'il est écrasé, quoi, qu'il est coincé. Alors, avant tout, on voulait teaser la jeunesse, parce qu'on aime bien, nous, à nos lives, teaser la jeunesse, alors en voyant des trucs et puis en les laissant un petit peu, essayer de deviner ce qu'on leur a préparé, quoi. Et là, en l'occurrence, ça passait par des teasers où j'étais en mountain bike. Alors, en premier lieu, on s'est retrouvé à location de vélo à Paris. On a tourné quelques plans de Médoc qui fait du vélo dans la rue. Ensuite, on a pris la voiture. Après une petite réunion entre nous, on a préparé la session de l'après-midi. On a pris la voiture, on est allé jusqu'à Massy-Palaiseau en voiture. On est dans un parc qui était là-bas, où Alex avait trouvé une grande crevasse en fait entre les rochers, et qui était idéale finalement pour faire cette parodie de 127 heures, parce qu'on pouvait glisser Médoc à l'intérieur, et avec le rocher qui avait été confectionné sur mesure, on pouvait lui coincer le bras comme ça. Donc pendant ces heures de tournage, quand on était sur le spot, c'était pas facile non plus, parce que déjà c'était étroit, donc avec tout le matos et tout, c'était pas easy de venir positionner le pied et tout pour que ça soit stable. C'était très dur à tourner dans la crevasse en fait, parce que elle était complètement, ça se voit pas trop à l'image, mais elle est complètement en diagonale, donc il était impossible de se tenir debout. On était perpétuellement en diagonale, appuyé contre un rocher et avec les pieds qui s'enfonçaient dans le sable. Et alors moi, il a fallu que je fasse tout le tour en fait, tout le temps, parce que de temps en temps j'étais derrière Alex, qu'on fallait donner des objets, de temps en temps il fallait que j'aille derrière, parce que j'allais filmer derrière un peu. Du coup, ça demandait beaucoup de mouvements, et le plus difficile là-dedans, c'est qu'en fait, les rochers, ils étaient pas évidents du tout à escalader. C'était très difficile à escalader. Donc c'était un peu fatigant, en plus sous la chaleur. Alors dans le film, le mec, je veux dire, c'est tiré d'une histoire vraie, et c'est extrême. Le mec se coupe son putain de bras avec un couteau suisse, avec une lame émoussée. Je veux dire, c'est extrême, il fallait que je trouve quelque chose de plus extrême que ça. Et j'ai trouvé le trombone. Et c'est, finalement, je suis con parce que ça fait super mal déjà. Je veux dire, un trombone, quoi. Et puis ça prend du temps, quoi. Et donc voilà, bah, au final, c'est un petit peu con d'avoir perdu un bras sur un tournage comme ça. Mais bon, en même temps, Thierry m'a dit que ça allait parce que je pourrais continuer à faire les critiques Kinect. Médoc, je suis désolé pour ton bras droit, mais j'avoue que ça me fait penser à un film que j'adore qui s'appelle Bernie, par un monsieur Dupontel. Et à un moment, la maman, elle se bat avec le papa, elle lui coupe le bras droit avec un hachoir, elle lui dit « Finis la branlette !» Elle lui dit « Je m'en fous, je suis gaucher !» Alors Médoc, j'espère que tu es gaucher. Maintenant, c'est la nouvelle rubrique dans l'émission, la rubrique « Very Hard », c'est MO5 qui nous a proposé cette rubrique. C'est une super idée d'émission, puisqu'on va aller à l'intérieur des consoles de jeux, des ordinateurs, des bandes d'arcade, que sais-je. Enfin, tous ces trucs qui nous ont amusés, qui sont un petit peu électroniques. Et on va comprendre comment ils fonctionnaient, pourquoi ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qui faisait que c'était trop bien ou pas bien, justement. Par exemple, moi, je me rappelle, quand on nous vendait des VHS avec les magazines de jeux vidéo de l'époque, il y avait le mode 7 de la Super Nintendo. Genre, regardez, des zooms hallucinants! Et c'est vrai que je trouvais ça hallucinant à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça... Quand j'ai revu la VHS il y a pas longtemps, j'ai ri. Mais à l'époque, c'était hallucinant. Et ben justement, Very Hard, le premier Very Hard va parler de la Super Nintendo, pas du mode 7. Mais que sais-je sur la Super Nintendo? Que sais-je? Je sais pas. Bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Super NES, ses jeux mythiques, ses couleurs chatoyantes et surtout son fameux mode 7. Cela tombe bien d'ailleurs, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre aspect technique de cette console, beaucoup moins connu mais pas forcément plus glorieux. Car si la 16 bits de Nintendo est restée dans les mémoires, notamment grâce à ses effets spectaculaires et ses innovations techniques, qui la placèrent au-dessus de ses concurrentes, un choix de processeur central faillit lui être préjudiciable dans cette bataille, notamment contre sa plus sérieuse rivale, la Mega Drive de Sega. Lors de sa conception, la SNES fut d'abord pensée pour être rétrocompatible avec les jeux NES, la précédente console de Nintendo. Dans cette optique, ses ingénieurs firent le choix de la doter d'un CPU 16 bits compatible avec le processeur central 8 bits de la NES. Mais en raison de difficultés techniques, comme la compatibilité sonore, le projet accumula beaucoup de retard et cette idée fut finalement abandonnée afin que les délais soient respectés. La Mega Drive de Sega, sortie 2 ans plus tôt, avait alors pris une sérieuse avance sur le marché des 16 bits, et les ingénieurs de Nintendo furent donc priés d'accélérer la cadence. Le choix du processeur central fut entériné par défaut. La SNES se retrouva ainsi pourvue d'un CPU cadencé à 3,58 MHz, une vitesse digne des machines 8 bits de la précédente génération. Étant souvent amené à gérer des calculs complexes, tout en prenant en charge les deux coprocesseurs graphiques, ce processeur central afficha rapidement ses limites. Parmi les genres présents sur la SNES, le shoot'em up fut de loin celui qui en pâtit le plus. On peut observer, ici dans Axelay, que malgré le peu d'ennemis à l'écran, la complexité des effets graphiques suffit déjà à créer des ralentissements. Le même sort fut réservé à l'adaptation de R-Type, qui, malgré ses graphismes réussis, souffre également de problèmes similaires, comme ici, dans la gestion des sprites. Quelques rares titres, comme Super à l'Est, parvinrent néanmoins à tirer leur épingle du jeu et à s'affranchir de la faiblesse du processeur central. Mais cet exemple ne suffit pas à faire oublier ses carences techniques, et le shoot'em up fut de ce fait moins présent sur SNES que sur d'autres machines, telles que la PC Engine ou la Mega Drive. Devant ses contraintes liées à son CPU, la plupart des développeurs de jeux firent le choix de revoir leurs ambitions à la baisse. Ce choix se traduisit principalement par une diminution de la vitesse d'affichage ou une réduction du nombre de sprites. Le mode 2 joueurs fut même parfois abandonné, comme ici dans Final Fight. Autre grand succès en arcade, Street Fighter II a souffert lui aussi de quelques ralentissements lors de son portage sur SNES. Un an plus tard, Capcom allait néanmoins rectifier le tir avec le bien nommé Street Fighter II Turbo. Cette version améliorée marquait alors une évolution dans l'exploitation de la SNES et une meilleure appréhension des contraintes liées à son CPU. Ainsi, malgré ce processeur central peu performant, la 16 bits de Nintendo parvint à tenir son rang. Les effets spectaculaires générés par ses coprocesseurs, graphiques et sonores, firent forte impression et sont devenus depuis sa principale marque de fabrique. Grâce à un système de puces incluse directement dans la cartouche, sa puissance de calcul fut améliorée et des innovations techniques comme la 3D lui assurèrent une durée de vie conséquente. La SNES reste encore aujourd'hui la console préférée de nombreux joueurs. Mais imaginez un instant que ses ingénieurs aient fait le choix de lui inclure un processeur central 1632 bits comme le 68000 de la Mega Drive, et vous comprendrez que l'histoire aurait été à coup sûr bien différente. Voilà, ce nouveau 101% est terminé. Je vous dis à mercredi. Demain, c'est Benoît. Alors, comment Benoît va-t-il appréhender le nouveau 101%, le 101% reboot? Je ne sais pas. Vous allez voir dans quelle ordre il va mettre les rubriques, quelle rubrique il va avoir. Voilà, revenez demain. Moi, je vous dis à mercredi et je vous embrasse sur les fesses. Ça sera peut-être pas mon nouveau gimmick du nouveau 101%. J'ai juste essayé, mais je pense pas. Mais je vais chercher un nouveau gimmick. Vous avez manqué. Merci.